On a senti aussi un peu de temps à mettre dans le match. On va dire, pour prendre l'écart, il a fallu attendre peut-être les 10 dernières minutes. Comment vous l'expliquez-vous de prendre cet écart de plus 6 à, on va dire, à 5-6 minutes de la fin? Ben, mais c'est une belle équipe, donc elles ont résisté. On pensait pas que ça allait être facile de la 10e minute jusqu'à la 50e. On savait qu'on allait devoir résister, se battre pour avoir cet écart et pour gagner. De toute façon, on voulait gagner le match de plus 1 ou de plus 5, ça nous va, mais on voulait gagner le match. Surtout avec cette victoire, vous prenez en plus la tête, puisqu'ici, il a perdu à Nantes tout à l'heure, 23-24. Exactement. Donc, de toute façon, la saison est très très longue. Donc, on prend la tête, on est à la 2e journée du championnat. On verra bien à la 20e. Oui, la dernière question. Qu'est-ce que vous allez retenir ce match? Peut-être la première devant les caméras de Beansport, ou sur le contenu, qu'est-ce qui vous a le plus plu ou le moins plu, on va dire? Tout m'a plu parce que voilà, il y avait de tout, il y avait du public, il y avait du beau jeu, je pense, donc on est vraiment content, satisfait. C'est une première réussie. Oui, je pense, j'espère pour eux, faut poser la question, mais en tout cas nous on apprécie les caméras Beansport, le public, l'ambiance. Merci Nyonsen. Merci. À vous, à bientôt.